Le passage d'un troupeau. Depuis le commencement du voyage, il ne s'était guère passé deux jours que nos explorateurs n'eussent vu des éléphants. Tantôt ils se montraient isolés, tantôt par troupes plus ou moins nombreuses. Le soir, ils venaient, le long des rivières et des étangs, prendre le plaisir du bain. Les jeunes éléphantaux étaient conduits par leur mère, qui, sa trompe enroulée dans celle de leur petit, se servait de cet appendice pour le diriger et le soutenir, comme une femme dirige et soutient son enfant par la main. Un jour les oreilles de Michel furent frappées d'un bruit extraordinaire, ressemblant au son qui s'échapperait d'un orgue puissant. Au bout de quelques instants, il s'y mêla un sourd retentissement qui ébranlait le sol. Puis un vieil éléphant parut à quelque distance, accompagné de plusieurs autres. Sans doute ces animaux marchaient en esclaireur, car ils eurent bien et furent bientôt suivis d'une bande dont il est impossible d'évaluer le nombre. On n'en voyait pas la fin. Il s'avançait au-devant des voyageurs d'un pas mesuré à l'allure des éléphantaux qui les accompagnaient, mais assez vifs néanmoins. On traversait alors une prairie semée de bouquets de palmiers. Aussitôt qu'il avait vu la troupe s'approcher, M. Berton s'était hâté de ranger le chariot derrière un bouquet d'arbres, espérant que la bande passerait soit d'un côté, soit de l'autre. Mais ces animaux n'ont pas coutume, paraît il, quand ils ont décidé de suivre une direction, de l'abandonner. Ce qui d'ailleurs, vu les dimensions et la lourdeur de leur corps, ne leur permet guère de se retourner et n'est ne permet... pas facile. Le bouquet de palmiers qui abritait le chariot se trouvait précisément sur leur chemin. Au lieu de s'en écarter, les éléphants saisirent les troncs d'arbres les uns après les autres, avec leurs trompes puissantes, et on vit alors de verts panaches s'agiter un instant dans les airs, puis s'affaisser sur le sol. En quelques secondes, le bouquet de palmiers allait disparaître, et les énormes bêtes, reprenant leur élan et leur course interrompue, allaient s'abattre sur le chariot et le mettre en pièces, et fouler l'attelage aux pieds. Au bruyant ronflement produit par les éléphants, une tête noire et effarée s'est montrée à l'ouverture du chariot. C'est celle de Zimbo qui s'y était réfugié pour faire la sieste. Elle disparut un instant et se montra de nouveau. Zimbo sauta d'un coup hors du lourd équipage et d'un autre bond il se retrouva face aux éléphants. Alors déployant rapidement une étoffe aux vives couleurs qu'il tenait à la main, il l'agita devant leurs yeux d'une manière tellement provocante et en poussant des cris si perçants que ceux qui étaient en tête de la troupe s'arrêtèrent épouvantés faisant entendre des sons semblables à ceux que l'on tirerait d'une trombe. Il en résulta d'abord une terrible bousculade. Les animaux qui étaient en queue, obéissant à la force d'impulsion, avaient continué leur mouvement en avant pendant que les chefs faisaient un quart de conversion. Toute la troupe reprit alors sa course dans une autre direction, au pas accéléré cette fois. Ce que Zimbo venait d'employer avec tant de succès, comme arme défensive, n'était autre que le drapeau tricolore qu'il avait trouvé sous sa main, et c'était lui qui, dont M. Berton avait coutume de décorer son chariot, quand il entrait dans un village. Zimbo avait usé d'un moyen souvent employé dans son pays dans des circonstances semblables, et c'est qu'en dépit de sa taille colossale, l'éléphant est fort poltron. Il suffit de peu de choses pour l'épouvanter de lui faire rebrousser chemin. On devine que cet épisode fut pour Zimbo l'occasion de se livrer à son exubérance habituelle. Il célébra sa victoire par des cris de joie, des gambades et des, cris de, des éclats de rire sans fin. Et Michel n'était pas trop content de voir les couleurs qu'il chérissait respecter servir d'épouvantail. Il aurait plutôt été disposé à gronder son ami qu'à le louer, mais M. Berton était trop satisfait. Du résultat de l'aventure, pour ne pas admirer la présence d'esprit et le courage, dont l'enfant venait de faire preuve et pour le chicaner sur les moyens dont il avait fait usage. Le chariot reprit donc sa marche un instant interrompu, en suivant la route tracée par le passage des éléphants au travers de la forêt et de la prairie. Le spectacle était lamentable et présentait une scène de destruction complète. Arbres brisés, taillis piétinés, troncs réduits en charpie. Dans dix ans, dans vingt ans peut-être, dit M. Berton, et quelle que soit la vigueur de la végétation dans ces contrées, ces dégâts ne seront pas entièrement réparés. Les éléphants, ajouta-t-il, consomment une grande quantité de nourriture. Ils, auront, ils ont bientôt dévasté un pays. Il faut leur en changer. C'est alors qu'ils entreprennent des expéditions comme celle que nous venons d'avoir, un exemple, et rien ne les arrête dans leur marche.